apart. Made a promise that I'm coming out alive. Raging heart went too far. I will never lose myself again, oh I. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. And I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. Anderson, mais où t'étais? La radio s'est interrompue d'un seul coup et après, toute la flotte a disparu. Oh, saloperie de forêt. Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Toute loi a disparu, je trouverai peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. À plus tard. Alex Casey? Comment? Je suis encore... On est dans l'entre-noir? Non, impossible. Je suis sorti. Ouais, le détective privé de vos bouquins porte le même nom que le mien. Super. Passons. La voiture n'est pas garée tout près, Wake. Prenez vos affaires. Je vais jeter un coup d'œil. Maintenant qu'il y a plus d'eau, je trouverai peut-être des indices. L'eau a disparu très soudainement. Je me demande s'il y a un rapport avec l'amalgame. Et Nightingale.
Je dois étudier le tableau d'enquête pour mieux comprendre. Même les animaux se transforment en monstres. Il y a un truc écrit ici. Un poème ? Ou une devinette ? Ça me fait penser aux comptines que je lisais à Logan quand elle était petite. Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan.
Un coffre fermé. C'est bien le symbole de la secte de l'arbre. Des notes et des munitions. Ce sont leurs outils de travail. La secte ne voit pas ses victimes comme des gens. Nightingale disparaît pendant 13 ans. Réapparaît mort avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Mais quel est le lien? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Des poupées flippantes, des poèmes bizarres. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Ça va pas. C'est logique. Allez, réfléchis. De retour à Witch's Ladle, Saga pointa sa lampe torche sur l'étrange substance noire. La substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous. Elle peinait à voir. Le contraire de taches solaires dans ses yeux, plus sombre que sombre. Soudain, un changement. La lumière réagit à la substance, une boucle de rétroaction lui parcourant le bras. Saga serra la lampe torche, espérant qu'elle traverserait la matière sombre, qu'elle la brûlerait.
La secte laisse du matériel pour ses adeptes. Quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Une breloque. Oh, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. Oh, c'était étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres cantines. Oh!
encore un coffre fermé. Encore une boîte repas pour enfants ?
Mike. Like a leg. Possédé fut momentanément neutralisé, mais pas longtemps. Saga releva son fusil à canon scié pour l'arrêter une fois pour toutes. On est arrivé, Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous rejoins sur le parking. Je dois faire demi-tour. On peut y aller. Monsieur Wake,
On va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman! T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... et toi? Tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non! Non! Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. Ah. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wade? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a aucun sens. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. Un
tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh ! Alan ! Content de vous revoir, Alan ! Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, suivez-moi. Allez-y, prenez place. Wouh ! Waouh, génial ! C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour ? Désolé, se lasser de quoi ? Publier un nouveau roman ! Est-ce que ça va, mon vieux ? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez ? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi ? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment ? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale ? Un roman d'horreur ? Un roman policier postmoderne ? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non ? À moins qu'il n'ait été écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur ! Vous êtes brillant ! Jouez son rôle jusqu'au bout ! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre ? C'est très méta, tout ça ! Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux-semblant ? Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix. Parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris ? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même ? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan ? Waouh ! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Ouais. Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. Qu'est-ce que c'était que cette interview ? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Les Old Gods of Asgard. Ce nom était familier. J'étais perdu.
Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête ? Hey ! Je crois que je suis enfermé ! Y a quelqu'un ? Merde ! Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi ? Un message ? Impossible de le savoir. Seul dans le studio. Je devais sortir. Veillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgir, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire.
Le nom Grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. Je devais écrire plus.